Donc même quand elle voit que tu es un garçon, tu as l'argent, tu es un garçon, tu es joli, tu es propre sur toi, tu as tous les atouts que les femmes veulent, elle va quand même jouer à des jeux avec toi malgré qu'elle est fan de toi. Ouais les gars, c'est comment les gars. Aujourd'hui, je vous parle d'un truc. Comment détruire l'ego d'une go. Voilà. Il faut que vous sachiez que les go, il y en a beaucoup qui ont un gros ego. Et puis la plupart du temps, ce sont les go qui sont très jolis qui ont un gros ego. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de simples. Il y a beaucoup de bêta, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le game en fait, qui boostent son ego. Voilà. Ils sont tout le temps en train de lui dire, tu es joli, hein? Tu es comme ça, hein? Tu as fait ça. Hein? Donc là, elle sent qu'elle est désirée. Donc même quand elle voit que tu es un garçon, tu as l'argent, tu es un garçon, tu es joli, tu es propre sur toi, tu as tous les atouts que les femmes veulent, elle va quand même jouer à des jeux avec toi malgré qu'elle est fan de toi. Voilà, tu as senti qu'elle a un gros ego, tu as senti qu'elle veut que tu te prouves à elle, et elle te dit comment on détruit son ego. En fait, miroite son comportement. Miroite son comportement en fait. Voilà, faut faire ce qu'elle va pas aimer. C'est à dire que quoi, les gars la valident. Les gars lui disent qu'elle est jolie. Les gars lui font tant. Toi, tu fais pas ça. Voilà. Elle met ses photos même là. Tu n'aimes même pas. Voilà. Tout ce qu'elle fait, ça ne t'intéresse pas. Elle va porter les jolies robes. Elle va porter les beaux trucs pour que tu dises que non, tu es belle. Fais comme si tu n'as pas vu. Voilà. Pas de validation. Voilà, elle va commencer à se demander, mais qu'est-ce que lui là même il pense? Fais-lui penser en fait que tu en as vu mieux. Et puis tu es censé avoir vu mieux. Voilà, tu es censé avoir vu mieux. Voilà, au moins elle a vu mieux. Il y a une qui parle même. Je parlais dernièrement là, elle est jolie. Elle pensait qu'elle allait lui courir après. Elle sait pas qu'il fait les vidéos sur YouTube. Malade. Elle sait pas qu'il n'est pas droit à l'erreur. Je peux pas te valider sur ta beauté. Je suis beau moi-même. Calme. Ou bien. Calme. Voilà. En plus, je sens encore. Je suis en bonne santé encore. Je suis sportif encore. Si ça se trouve, il y a plus d'atouts que toi. Calme. Voilà. Détruis son ego. Quand tu approches un groupe de go, approche la plus vilaine. Même si c'est elle que tu veux, approche la plus vilaine. Elle va se demander, mais qu'est-ce qui va pas être mon... Spécialement même si elle a une basse estime d'elle-même, c'est fini. Il y a beaucoup qui ont une basse estime d'elle-même. Mais non, l'ego en fait couvre sa vraie personne. L'ego couvre sa vraie personne. À cause de ça que tu n'as jamais me voir booster l'ego d'une petite. Jamais. Elle me connaisse. Moi. Alors qu'à commenter en bas, le joueur booster leur ego. Jamais. Mais... Voilà. Jamais. On booste pas l'ego d'une petite. Voilà. On booste pas l'ego d'une petite. Si elle devient ta petite même là, tu sais qu'elle est fond. Fais-la parler. C'est ce que vous disiez dans la vidéo là. Faites-les parler en fait. Elle est fond de toi non. Causez-elle ne la valide pas. Elle n'a qu'à te dire. Voilà. Fais-la sentir comme si elle est ta go, mais elle n'est pas ta go en fait. Donc ce qui fait que il y a des choses dont elle peut pas se plaindre. Elle peut pas se plaindre du fait qu'en fait tu causais tel go parce qu'elle n'est pas ta go, mais elle est fan, tu sais, vous causez. Les gars, je vous donne le game. Le jeu de séduction est plus intéressant même que la finalité en fait. À cause de ça que ça me fait rire quand les gars viennent, ils disent au go que je veux être ton mogo. Tu n'as aucun game, frère. Les gars là veulent que vous les séduisez. C'est ça en fait. Elle peut être fond, mais elle veut que tu la séduises en fait.
Comment tu l'as séduit? Détruis son ego. Au calme. Fais-la chercher ta validation. Au calme. Tout ce qu'elle fait, c'est jamais bien. Il y avait une de mes petites qui me disait ça. Elle me disait que toi, tout ce qu'elle fait, c'est jamais bien. Tout ce qu'elle fait, c'est jamais bien. Mais quand elle fait des trucs, je la valide. Mais c'est jamais bien. Il faut que tu travailles, bébé. Il faut que tu travailles. Il faut que tu me prouves que tu en vaux la peine. Voilà. Voilà. Si tu cherches la validation d'une go, faut savoir qu'elle va jamais chercher pour toi. Arrêtez de mettre les femmes au-dessus de vous. La seule personne qui est censée être au-dessus de toi, c'est Dieu. Voilà. La seule personne qui est censée être au-dessus de toi, c'est Dieu. Une go qui a un gros ego miroir de son comportement. Elle t'appelle pas, je l'appelle pas. Tu sais, ça marche chez les go qui sont vraiment intéressés. Ça marche chez les go qui sont vraiment, vraiment intéressés en fait. Voilà, une go qui n'est pas intéressée par toi, tu fais ça, elle va te laisser dans tes problèmes. Il faut t'assurer qu'elle soit vraiment intéressée en fait. Il faut que tu t'assures qu'elle soit vraiment intéressée. Voilà, et puis tu détruis son ego. Si tu détruis pas son ego, elle va jamais chercher ta validation. Elles ont tellement d'options, qu'elles respectent pas les garçons de nature. Elles respectent pas les garçons de nature. À quoi je suis contre le fait même de voir une go dans la rue et puis de venir prendre son numéro en fait. Moi c'est un bizarre en fait. C'est la validation même. Si tu viens vers elle, elle te dit que tu la trouves trop jolie en fait. Moi j'attends qu'elle m'envoie des signaux pour l'approcher. Voilà, il attend qu'elle m'envoie des signaux pour l'approcher. Quand elle m'envoie des signaux, je sais que c'est elle qui veut. Quand elle m'envoie des signaux, je sais que c'est elle qui veut. Si on commence à jouer, à se parler, tu fais les petits games, je dégage. Calme. Voilà, les gars, on n'a pas le temps. C'est toi qui m'as appelé, je suis venu, tu n'as rien à me dire, mon vert. Calme. Voilà. Ne jouez pas. Une go qui a un gros ego, on la valide même pas. Une go qui a un gros ego, on la valide pas. Elle va parler. En fait, votre problème, c'est que vous n'êtes pas patient. Entends, dans le game là, faut être patient. Faut être patient. Il y a des goé qui y a joué il y a au moins 2 ans. Mais le game en train de continuer. On est en train de jouer quoi. On se voit pas souvent, on se voit. Mais on est en train de jouer. Voilà, dans le game, faut être patient. Faut être patient et puis faut pas tolérer les go qui ont un gros ego. Voilà, pas de validation. Pas d'attention non sexuelle en fait. Voilà. Pas d'attention non sexuelle. Voilà. Je vais vous parler de l'attention non sexuelle dans une prochaine vidéo. Mais c'est comme ça on détruit le go d'une go. Pas de validation. Voilà. Si elle fait comme si elle veut pas se comporter bien, fais-lui comprendre que tout ce qu'elle fait, c'est jamais bien. Voilà. Et puis même si tu la prends même que tu la mougou une fois et puis tu disparais, tu fais un mougoupon, c'est fini. Elle va se dire en fait, qu'est-ce qui ne va pas, Emon? Quand c'est con, elle te poursuit. Voilà, y'a fait les gars, vous connaissez, non? Détruisez l'ego des gars là. Y'a rien, c'est la rue.